À mon avis, tu devrais ajouter un petit peu de lait, Philippe, là. Un petit peu de lait. Mmh. Ah, hop, ouais, voilà. C'est un peu trop. Voilà. C'est parfait. J'ai déjà rajouté les deux œufs, le beurre. Ah, bah moi, il faut que je finisse quand même. Alors, bonne fête. Bonne fête. Oh, ça va leur faire plaisir. Ça va être superbe. Bonne fête. Alors, il manque. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que vous faites, les garçons? Ce n'est pas l'heure de la séquence cuisine. On n'a même pas commencé l'émission. Non, mais attends, Julie. Calme-toi, pas de panique. Si nous sommes en grande cuisine, c'est qu'il y a une bonne raison. Oui, tu ne vois vraiment pas pourquoi on fait ces gâteaux ce matin. Non, c'est pas mon anniversaire, c'est pas ma fête. Bon, attends, Julie. Attends. Je vais t'expliquer. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Dimanche. Oui, bien sûr, dimanche, mais je veux dire, quelle date? Le 31 mai. Bien, nous sommes donc dimanche 31 mai. Et tu ne sais pas ce qui se passe le dimanche 31 mai, aujourd'hui? C'est là. Oh. Mais c'est désolant, ça. Enfin, mais ça m'étonne de toi, ça, Julie. Je suis sûr que tous nos amis savent ce qu'il y a aujourd'hui, dimanche 31 mai. Ah. N'est-ce pas, les enfants? Et voilà. Oh là 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 là, quelle horreur! Je suis honteuse. Oh, alors, c'était pour ça, les gâteaux? C'est pour oui. Maman? Mais oui, Julie, bien sûr. Oh là là, et dire que je n'ai rien préparé pour la mienne? Ah oui, ben ça, c'est un vrai problème. C'est bête, hein. Mais j'ai peut-être une solution pour toi, Julie. Ah oui? Laquelle, oui, Nicolas? Oui. Je te vends mon gâteau, je viens de le terminer. Il est beau, bien décoré. Non, non, mais attendez, pensez-moi, je rêve, Nicolas. Tu ne vas pas faire une chose pareille, quand même. Mais non, Julie, quoique... Non, ce que je peux faire, c'est t'en préparer un autre immédiatement. Ah non, ça, Nicolas, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que maintenant, il est grand temps de présenter à nos amis le programme de l'émission d'aujourd'hui. Ah, bah oui. Rassure-toi, Julie, on trouvera une solution pour que tu puisses offrir quelque chose à ta maman. Oh, je le souhaite. Merci d'avance, les garçons. Mais tu as raison, Philippe, il est grand temps maintenant de donner le programme à nos amis. Alors, nous retrouverons tout d'abord nos amis de la bande à Picsou qui sont emportés par la machine à remonter le temps et ils sont faits prisonniers par un horrible dictateur. Un adorable petit garçon sera coincé sur un tronc d'arbre, filant à toute allure sur un torrent. Mais rassurez-vous, nos amis Tic et Tac viendront à leur secours. Et puis Turbo, l'ami de Balou, trouvera un bocal plein de petites bêtes à fourrure pour lesquelles il va se prendre d'amitié. Donald et Pluto ne manqueront pas de nous amuser dans une série de gags désopilants. Il y aura bien sûr un reportage à Euro Disney et puis notre invité viendra nous donner d'excellents conseils pour mieux vivre avec son chien. Commençons tout de suite avec Donald dans un rôle de grand chanteur. Voici le dilemme de Donald. Personnellement, je trouve Daisy très astucieuse. Peut-être que si je laissais tomber un pot de fleurs sur la tête de Philippe et Nicolas, ils se prosterneraient eux aussi à mes pieds. Bon. Je vais réfléchir, hein. Enfin, on verra ça. Bon, en attendant, nous allons découvrir tout à l'heure le premier indice de notre concours. Alors, restez avec nous, c'est dans la suite du Disney Club. Nous sommes de retour sur le plateau du Disney Club et nous allons tout de suite découvrir le premier indice de notre concours. Regardez. C'est un sport qu'il faut trouver aujourd'hui. Si vous avez déjà une petite idée... C'est que vous êtes très fort, parce que personnellement, je ne vois pas du tout ce que c'est que ce terrain. Mais Julie, ils sont très forts et très perspicaces, nos jeunes amis. Donc, je reprends. Si vous avez une petite idée du sport qu'il faut trouver aujourd'hui, vous nous envoyez votre réponse sur carte postale à notre adresse, le Disney Club, boîte postale 2001, 92 518, Boulogne-Billancourt, Cedex. Est-ce que vous voulez retrouver la bande à Picsou? Oui! Ici, dans le Disney Club, tous vos voeux sont exaucés. Alors nous allons voir un nouvel épisode de la bande à Picsou. Figurez-vous que l'oncle Picsou et ses compagnons sont emportés par la machine à remonter le temps. Que va-t-il se passer pour eux? Eh bien, voici la bande à Picsou.
C'est le plus grand boss de toute la ville. La prochaine séquence est réservée à vos gentils compagnons, les chiens. C'est bien, Nicolas. Car l'invité que nous allons recevoir dans quelques instants s'occupe particulièrement d'eux. C'est dans la suite du Disney Club. Vous savez tous que sur le Disney Club, nous aimons beaucoup les animaux. Et à chaque fois que nous pouvons, nous recevons des invités qui peuvent nous aider à les rendre plus heureux. Voici donc Olivier Charron qui est venu avec Pepsi. Bonjour. Bonjour Olivier, merci d'être venu nous voir. Alors, Pepsi est une chienne adorable, elle adore les câlins. Tu peux nous montrer à quel point elle adore les câlins? Oh oui, Manu, viens. Tu m'entends? Regardez ça avec elle. Une tête toute douce. Là, on peut rester des heures comme ça. On peut rester des heures comme ça, ouais. Mais ça ne m'étonne pas. Ouais. Elle a l'air très bien. Ah, c'est sa passion, les câlins. Elle a deux passions, c'est jouer avec des bâtons et faire des câlins. Alors, elle blottit sa tête tout le temps comme ça, et puis regardez. On aurait dû penser à prendre un petit bâton pour la faire jouer. Bonjour, à tout à l'heure. Alors, Olivier, tu es éducateur, donc? J'ai cette chance. Oui. Et en quoi ça consiste? L'éducation canine, c'est en réalité vivre en paix et en harmonie avec son chien, puisque l'éducation, c'est quand même le savoir-vivre, un peu l'obéissance. Et si un chien... Je pars du principe que quand un chien est obéissant, il est libre. Oui. Hein, il faut partir de là. L'éducation du chien, c'est quoi? C'est lui apprendre à ne pas tirer sur sa laisse, lui apprendre à marcher très bien sans la laisse, lui apprendre à attendre pour l'emmener par exemple au restaurant, pour ouvrir une porte sans que le chien parte dans la nature. Et puis très important, lui apprendre à revenir quand on l'appelle. Quand on a ces quatre exercices, on a toute la vie du chien, toutes les situations. C'est l'éducation. Combien de temps faut-il pour éduquer un chien? Si tout se passe bien, il faut compter en moyenne une vingtaine de séances, à condition bien évidemment que le chien n'ait pas de troubles de comportement et que le maître ne déforme pas son chien, puisque les maîtres ne savent pas tellement comment faire. Mais en réalité, sur l'éducation du chien, il y a un tiers de travail pour le chien et deux tiers de travail pour les maîtres, toujours. Un chien peut-il commencer à être éduqué? L'éducation peut commencer vers 4 mois et demi, 5 mois, mais après il n'y a plus d'âge en réalité. Avant 4 mois et demi, 5 mois, on peut socialiser, c'est-à-dire ce que l'on peut faire pour un chien aveugle par exemple, l'emmener en ville pour qu'il ait l'habitude des voitures, des escaliers, des obstacles, des travaux publics. Bon, ça c'est un milieu ambiant, c'est un climat, et quand le chien a été bien imprégné par ce climat, on peut commencer l'éducation. Alors Peps par exemple, là, cette adorable petite chienne qui est si câline, elle a appris à être câline ou est-ce que c'est naturel? Elle est câline naturellement, mais c'est une chienne qui sort d'un refuge, donc elle a un passé pas très heureux. Disons que quand je l'ai prise au refuge, elle avait à peu près peur de tout, donc elle s'est réfugiée vers moi. Et, par exemple, vous voyez, aujourd'hui elle est adorable avec les enfants, mais elle a eu très peur des enfants pendant pas mal de temps. Et il a fallu que au cours des classes vertes canines que je fais, elle a commencé à prendre l'habitude des enfants, elle s'est rendue compte que les enfants sont merveilleux. Quoi. Okay. Merci beaucoup Olivier d'être venu, et puis je pense qu'on va pas tarder à se revoir. Avec plaisir. Dites-moi, il me semble que vous avez déjà rendu une petite visite à Olivier. Oui, Philippe, et c'était même avec un ami. Regarde. Tu sais, Julie, c'est une très bonne idée d'être venue à Feucherolles. D'abord, c'est pas très loin de Paris, puis ensuite, je trouve ça très très beau, très sympathique et très calme. Oui, mais c'est pourtant ici que j'ai décidé d'accompagner Figaro. Oui, je vais lui donner quelques petits cours de maintien. Attends, tu veux dire des cours de dressage? Ah non, t'inquiète pas, ici c'est pas les cours où on habitue les chiens à être méchants, tu sais, avec les grosses dents, les chiens de garde. Non, ici tout se passe en famille et je suis sûre que Figaro va beaucoup se plaire. Ah bon? Ah bah voilà les autres élèves, faut que j'y aille. Tu viens Figaro? On y va. Bon ben, au revoir Julie, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et maintenant, voyons un peu en quoi consiste cette méthode. D'abord, les chiens sont lâchés dans un enclos de manière à faire connaissance. Et les maîtres en profitent aussi. Et il n'y a pas que les chiens qui apprennent ici. Les maîtres aussi, n'est-ce pas? Tout à fait.
Première leçon, apprendre au chien tenu en laisse à rester assis à côté de son maître. Pour cela, aucun vocabulaire n'est exigé. À ta place, ou encore pas bouger. Ensuite, le chien doit marcher à côté de son maître sans tirer sur sa laisse. Attention, vous ne devez pas dépasser entre la mise en place et la position assise, vous ne devez pas dépasser 3 secondes. Pas plus de 3 secondes. On y va. Vous voyez, là, le groupe est bien parce qu'il est un peu désordonné, c'est ce qu'il faut. Dans la vie de tous les jours, sur les trottoirs, il n'y a pas d'ordre. Pas un cri, pas un hurlement contre les chiens. Bravo. Bon, alors, pour les chiens qui sont prêts à travailler sans laisse, on enlève la laisse. On va tourner comme ça en direction de la route, hein. Allez, on y va. Normalement, j'aurais dû lâcher Figaro, mais pour une première leçon, ce n'était peut-être pas très prudent. On s'arrête. Il a encore un peu besoin d'aide pour s'asseoir. Pour une éducation familiale, c'est une éducation familiale. Bon alors, vous laissez bien les chiens en pas bouger et vous vous éloignez d'eux progressivement, doucement, doucement, en leur disant pas bouger. Ok ? On y va. Ne cherchez pas Figaro, il n'y est pas, car c'est un exercice qu'il n'a pas encore réussi à faire. Mais patience. Notre première leçon est finie. Eh bien, je dois dire que ce que je viens de voir m'a rassuré et réconcilié avec le dressage. Pas vous ? On y va ? Allez. Nous sommes impatients avec Figaro d'avoir notre prochaine leçon. Eh bien, Julie, il faudra attendre encore un petit peu, car maintenant, nous allons retrouver Tic et Tac. Tu sais que les ours ont la réputation d'être très dangereux. Oh oui, surtout les ours blancs, Nicolas. Il paraît qu'ils sont beaucoup plus féroces qu'un tigre. Oh, remarque, des ours blancs, on n'en rencontre pas tous les matins. Non, comme tu dis. Eh bien, Jérémy, lui, se trouve sur un tronc d'arbre qui file à toute allure sur un torrent. Et qui va le sauver ? Eh bien, un ours, justement. L'ours Humphrey. Voici Tic et Tac, les rangers du risque. Ouais.